أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. On continue notre atelier de session, notre atelier de réflexion coranique, pardon, avec la deuxième session pour ce soir, dans laquelle nous continuons l'étude de la sourate Tahrim, la sourate 66. Et aujourd'hui, nous verrons et nous étudierons le verset numéro 10. Alors, on a eu un changement d'intervenante aujourd'hui. On va accueillir Rishma Mahmoud Hussein et vous aurez la difficile tâche de constater ou pas s'il y a eu collusion, s'il y a eu consultation ou pas dans sa réflexion et dans son développement. Donc, on va lui demander de lire le verset et de nous faire part de sa réflexion. Je parle en fait de collusion ou de consultation parce que Rishma, c'est mon épouse. Et donc, l'exercice le plus difficile, c'était qu'elle ne me consulte pas pour soutirer quelques informations. Donc, on verra bien, on verra bien. Alors, je lis la traduction. Elle a cité en parabole, pour ceux qui ont mécru, la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient toutes deux sous l'autorité de deux vertueux. Alors, elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux avec ceux qui rentrent. Alors, je commence avec la traduction de Hamidoullah révisée. Alors, il dit, elle l'a cité en parabole. Donc, une parabole, c'est un récit symbolique sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux. Dans le Coran, on retrouve beaucoup de paraboles. Donc, Dieu cite souvent des paraboles. Donc, souvent, ce sont des personnages. Ça peut être des prophètes, ça peut être des personnes vertueuses comme Mariam, ça peut être des personnes non vertueuses comme les épouses citées dans ce verset, ça peut être des esclaves. Dieu utilise des paraboles, d'autres paraboles comme les insectes, les villes, les peuples, la nature, la parole, les fruits. Donc, il cite beaucoup de paraboles. Donc, à qui Dieu s'adresse ici? Alors, il s'adresse à ceux qui ont mécru. Donc, Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru. Donc, on voit que Dieu ne s'adresse qu'à une catégorie de personnes, donc les mécréants, et donc il ne s'adresse pas aux croyants comme il le fait parfois en disant « Ya ayyuhalladhina amanu » et il ne s'adresse pas à tout le monde comme il le fait parfois en disant « Ya ayyuhannas ». Donc, peut-être que les croyants ne sont pas directement concernés par ce verset, mais ça ne devrait pas les empêcher de garder ces exemples à l'esprit. On peut être très bien croyant aujourd'hui et devenir un croyant demain. Donc, l'homme devrait toujours rester sur ses gardes. Donc, mécréant, selon le dictionnaire, donc, il y a deux définitions. Donc, soit c'est celui qui est infidèle, qui n'a aucune croyance religieuse, soit c'est celui qui est incroyant, qui a une religion autre que la sienne. Donc, par exemple, pour un chrétien, je suis une incroyante. Donc, voilà. Donc, du coup, il s'adresse aux personnes qui ont mécru. Et qui Dieu prend-il pour exemple? Il prend la femme de Noé et la femme de Lot. Donc, j'ai cherché dans les versets, enfin dans la traduction du Coran, d'autres versets qui parleraient de la femme de Nour. Donc, je n'ai rien trouvé sur la femme de Nour. Par contre, sur la femme de Lot, on retrouve souvent que des émissaires de Dieu se sont présentés à Nabi Lot pour lui dire de quitter la ville avec sa famille. Donc, exception pour sa femme qui sera atteinte par le châtiment qui frappera les autres mécréants. Donc, il y a un renversement de la cité et grosse pluie de pierres d'argile. Donc, voilà, on parle juste de ça concernant la femme de Lot, mais par contre, on ne dit rien sur la nature de leur trahison, ni pour la femme de Noé, ni pour la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Donc, celui qui est vertueux, c'est celui qui pratique, qui poursuit la vertu, le bien, qui est grâce à un idéal moral et religieux. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui a des qualités morales. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'elles-là. Donc, alors, ces deux femmes trahirent le prophète. Donc, on ne dit pas comment.
et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes. Donc, ces prophètes, ces deux prophètes, Nour et Lout, ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Donc, on voit que déjà ici sur Terre, ils ne furent d'aucune aide. Donc, la femme de Lout, comme on voit dans d'autres versets, elle a bien été châtiée par le même châtiment que ceux qui ont mécru dans sa cité. Donc, être l'épouse ou être un autre membre de la famille de vertueux ne veut rien dire. Donc, ici, ces épouses de prophètes devront rendre des comptes, comme tout le monde. Donc, à chacun ses comptes le jour du jugement, tout comme les autres membres de la famille devront rendre des comptes. Donc, on peut être le fils, donc par exemple le fils de Nour, on peut être l'oncle comme l'oncle de Nabi Ibrahim. On voit bien qu'ils devront aussi rendre des comptes. Donc, tout le monde doit rendre des comptes. Et le fait d'être le conjoint d'un vertueux ne suffit pas. Il leur fut dit à toutes deux, entrez au feu avec ceux qui y entrent. Donc là, on voit la conséquence de leur acte. Donc, c'est le feu de l'enfer. Donc, il n'y aura aucune aide ni ici, ici-bas, ni dans l'au-delà. Donc, on voit qu'il n'y a vraiment aucun privilège à être marié à ces gens-là. Donc, ensuite, je suis allée voir deux autres traductions. Donc, je suis allée voir la traduction de Denise Masson et celle de Fokri. Donc, Denise Masson dit « Dieu a proposé en exemple aux incrédules la femme de Noé et la femme de Lout. » Donc là, elle utilise le mot « exemple » qui veut dire quand il s'agit de quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui peut être proposé comme modèle à imiter ou à ne pas imiter, ce qui est le cas ici. Donc, Dieu a proposé en exemple aux incrédules. Donc, Denise Masson préfère utiliser le mot « incrédule » qu'on prend souvent dans le sens « incroyant » qui n'a pas de foi religieuse. Donc ensuite, elle dit « Elles vivaient toutes deux sous l'autorité de deux hommes justes d'entre nos serviteurs. » Donc là, elle, au lieu d'utiliser le mot « vertueux », elle utilise le mot « juste ». Donc, concernant la religion, c'est celui qui observe les commandements divins. Ensuite, elle dit elles les trahirent, mais cela ne leur a servi à rien contre Dieu. On leur a dit « Entrez toutes les deux dans le feu avec ceux qui y pénètrent. » Donc, on voit que la traduction rejoint celle de Hamidullah. Ensuite, la traduction de Fokri, il vient et il dit « Dieu cite comme exemple aux impies la femme de Noé et la femme de Lout. » Donc là, il utilise le mot « impie ». Donc « impie », ça veut dire c'est celui qui méprise, qui rejette sa propre religion ou éventuellement la religion officielle. « Elles étaient sous l'autorité de nos deux adorateurs vertueux et elles les trahirent. » Entre crochets, elles furent impies, hypocrites, etc. Donc là, il dit adorateur, donc c'est celui qui est porté vers l'adoration, et elles les trahirent, donc pour lui, c'était parce qu'elles étaient impies et hypocrites. Donc ce qu'on comprend ici, enfin en tout cas ce que je comprends ici, c'est qu'elles devaient sûrement mépriser et rejeter la religion de leur mari, et elles étaient hypocrites, donc elles avaient un double visage. Il leur fut dit à toutes deux entrer au feu avec ceux qui y rentrent. Donc voilà, ça rejoint les traductions citées plus haut. Donc alors la question que je me pose, alors pourquoi ce verset ici? Quel est le lien avec la sourate? Donc plus haut, on voit que il y a la trahison de quelques femmes du prophète. Elles l'ont trahi en dévoilant son secret en complotant contre lui. Donc ici, c'est toujours une question de trahison. Donc il y a la trahison de deux autres femmes du prophète, donc du prophète Lout et Nour. Donc on dit qu'elle dévoile. Alors, j'ai rien trouvé dans les autres versets du Coran concernant ces deux femmes sur leur trahison. Mais ce qu'on entend dans les prêches, en général, on dit qu'elle dévoilait les secrets internes, tout ce qui est censé rester à l'intérieur de la maison, elle les dévoilait aux ennemis. Donc, ça rejoint un peu ce que faisaient les femmes, les quelques femmes du prophète dans les versets précédents. Ensuite, on parle aussi de l'effet de leur non-repentance. Donc, en haut, on disait que, enfin, dans les versets précédents, on pourrait les remplacer par des épouses meilleures, musulmanes, croyantes, obéissantes, etc. Et ici, la conséquence directe de la non-repentance, on voit que c'est une conséquence pour l'au-delà, c'est le feu de l'enfer. Donc, en fait, il faut prendre vraiment la menace au sérieux. Donc, comment appliquer ce verset aujourd'hui? Donc, c'est vrai que on dit
on comprendrait que ça ne sert à rien de se marier avec quelqu'un de vertueux, mais ce n'est pas vrai. Donc, il faut toujours essayer de se marier avec quelqu'un de vertueux, avec des qualités morales. Cela aide, mais malgré tout, chacun devra quand même répondre de ses actes le jour J. Donc, toujours donner de soi, s'appliquer dans ses adorations, avoir de belles qualités morales, travailler sur ses défauts, se concentrer sur ce pourquoi nous avons été envoyés sur Terre, répandre le bien. Il faut toujours apprendre de ses erreurs pour pouvoir avancer et apprendre. Il faut apprendre à se repentir. Donc voilà, toujours. Donc même si on se marie avec quelqu'un de vertueux, ça ne veut pas dire qu'on ira au paradis. Donc il faudra faire toujours des efforts. Dans ce verset, on parle aussi de trahison. Donc en fait, il faut faire très attention parce que de nos jours, on y glisse très rapidement, beaucoup plus vite, avec l'accès facile aux réseaux sociaux. On a tendance à tout dire, à tout exposer, à tout dévoiler. Donc, il faut savoir garder l'intimité. Donc, voilà tout ce que j'ai à dire. Ok, très bien. C'est noté. Je constate tout d'abord que le réflexe de consulter des traductions et de comparer, d'analyser, on va dire, la différence et de constater la différence entre les traductions semble être assez assimilé, que ce soit avec l'intervention d'aujourd'hui ou avec beaucoup d'interventions précédentes. On va essayer de voir ce que nous proposent les exégètes, mais comme à notre habitude, rapidement, on va exposer ici trois traductions, celle de Berck. Dieu use quant aux dénégateurs de la semblance des femmes de Lot et de Noé. Quand vous regardez cette expression, elle est quand même différente de celle que l'on retrouve dans la plupart des traductions. Dieu use quant aux dénégateurs de la semblance des femmes de Lot et de Noé. On ne parle pas d'exemple, on ne parle pas de parabole, mais de semblance. Change de terme. Toutes deux étaient en puissance de deux adorateurs d'entre les nôtres, des justes. Elles les trahirent, cela ne leur servit de rien contre Dieu. Il fut dit, entrez dans le feu parmi tous les entrants. Maçon, on a déjà cité sa traduction, donc on va partir à Abdou Daoud qui dit, Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru, très classique. La femme de Nour et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux avec ceux qui y entrent. Donc on peut segmenter ce verset, il n'y a pas de souci en plusieurs segments, en plusieurs partitions. On verra comment présente les exégètes ces fragmentations. J'ai mis donc en surbrillance les termes qui sont changeants entre les traducteurs. Vous voyez, concernant le terme kafir ou kafaru, toujours le même souci entre dénégateur, incrédule, mécréance. Donc, on avait déjà abordé ce terme-là et la sémantique concernant cette racine. Kafara. Avançons. On verra ce que nous apporte comme détail supplémentaire l'exégèse condensée. Tout d'abord, il donne la signification de Taht Abdain, qui a été traduit par sous l'autorité d'eux. Ici, lui, il dit que ça veut dire sous leur protection à eux deux. Encore ce qui est différent. Lorsqu'on parle d'autorité, on parle quand même de hiérarchie. Alors qu'ici, sous leur protection à eux deux, ça veut dire que les femmes, quelque part, pouvaient profiter de la protection des deux, chacun. Alors, chacune des femmes pouvait profiter de la protection de leurs maris respectifs qui étaient des prophètes. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté, ils sont ou elles sont sous leur protection, mais à cause de leur acte, elles ne seront plus sous leur protection. C'est-à-dire, dans l'au-delà, il n'y aura plus de protection. La protection, c'est une protection conjugale ici, droits et devoirs conjugaux. Plutôt, là, elles profitent des devoirs conjugaux de leur mari, mais la protection est limitée dans ce bas-monde. Alors,
Docteur Mustafa Faraj, il nous dit, concernant le sens de ces versets, Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru. Ça ne change rien de la traduction. Détail supplémentaire, afin qu'ils prennent leçon et qu'ils sachent qu'être liés aux vertueux parmi ses serviteurs ne leur sera pas bénéfique, mais parce qu'ils ont trahi l'envoyé, ils seront à l'évidence parmi les gens de l'enfer. Donc, en fait, ce détail supplémentaire, c'est un détail de parabole. Hein. Quand on donne un exemple à quelqu'un, c'est automatiquement pour prendre des enseignements et des leçons. Donc, il détaille un petit peu ce que l'on comprenait implicitement de la lecture, de la traduction. Il cite en parabole donc la femme de Noé et celle de Lot. Elles étaient les épouses de ces deux prophètes vertueux, mais les ont trahis car elles étaient hypocrites et avaient comploté contre eux. Le fait d'avoir été épouse de prophètes ne les a servi à rien contre le châtiment divin. Il leur a été dit « Entrez toutes les deux dans le feu avec ceux qui y entrent parmi les gens de votre communauté. » Un détail intéressant puisqu'on reviendra dessus avec Allama Tabatabai. Il n'est donc pas impossible de voir l'hypocrisie et la mécréance chez des épouses de prophètes. Ce verset semble être quand même assez explicite, même si ici il dit il n'est donc pas possible, c'est comme si il y avait une hypothèse ici. Il y avait un certain doute et on n'était pas catégorique. Mais lorsqu'on lit le verset, il me semble que le verset est bien explicite, on comprend quand même très bien le sens et même les enseignements à retirer. À partir de là, Cheikh Makarem a développé deux principaux points concernant l'exégèse de ce verset. Le premier, c'est le contexte et le lien de ce verset avec les autres versets dans l'ensemble de cette sourate. Pardon, trois points ici. Les messages de ce verset et la trahison des deux femmes. Concernant le contexte, on rejoint ce que nous a dit l'intervenante ici. On revient donc quelque part, ou même de façon claire, à nouveau sur l'incident des épouses du prophète. Donc les cinq premiers versets concernaient cet incident. Ensuite, verset 6, on s'adresse aux croyants et on leur dit « Attention, vous avez une responsabilité, vous devez vous occuper de vous-même et de votre famille, vous devez les sauver et les protéger du feu de l'enfer. » Ensuite, on s'adresse aux mécréants. On revient avec les croyants et on leur dit « Attention, si vous avez fait une erreur, à ce moment-là, la porte du pardon est ouverte. » Donc, demandez pardon de façon sincère et il y aura des conséquences extrêmement positives à ce pardon. Entre-temps, on menace les hypocrites et les mécréants de guerre et de faire attention parce qu'il y a commandement de mener combat contre eux. Donc, ils ont à bien se tenir. Et là, avec le verset 10, 11, 12, on revient et on cite des épouses, on cite des femmes. Et donc, clairement, on veut revenir et on veut refaire le lien avec ce qui s'est passé au début de la sourate. Donc, on veut maintenant donner un enseignement clair, net, aux épouses du prophète. Donc, les messages à retirer sont adressés à deux interlocuteurs. Le premier destinataire ici de ce message, c'est les deux épouses du prophète. Donc, remarquez, on cite en parabole deux épouses et les épouses concernées par la trahison, quelque part, la divulgation du secret et ensuite la rumeur, etc. Il y avait deux épouses. Donc, premier parallèle. Donc, à partir de là, on ressent clairement que ce verset marque un avertissement clair, sérieux, parce que les épouses étaient fautives. Elles avaient importuné le prophète, elles avaient divulgué un secret. Et donc, faites attention aux épouses du prophète. Ne pensez pas que le fait d'être épouse du prophète vous suffise pour éviter le châtiment et que, tranquille, peinard, vous allez rentrer avec le prophète vers le paradis en profitant de sa lumière, comme on l'a vu dans le verset numéro 8. Le deuxième destinataire de ce message, c'est tous les croyants.
Donc, par extension, implicitement, tous les croyants doivent faire attention, et non uniquement les épouses des croyants, et non uniquement les croyantes. Regardez la phrase de Sheikh Makarem, que les croyants ne pensent pas que leur liaison aux proches amis, aux awliya Allah, pourra les mettre à l'abri du châtiment divin en cas de péché et de désobéissance. Et je pense que vous pensez exactement à la même chose que moi. En tant que musulman qui adhère à l'école d'Ahl al-Bayt, qui aime intensément le prophète, qui aime intensément les imams, de l'imam Ali alayhi salam à l'imam Mahdi alayhi salam, qui aime intensément la fille du prophète, Siddiqa Tahira Fatima al-Zahra salamullah alayha, et parmi tous ces awliya Allah, il y a une relation particulière entre le chiite et l'imam Hussein alayhi salam. Et souvent, on nous tient des discours qu'aimaient les gens de la famille du prophète, qu'aimait l'imam Hussein alayhi salam, est amplement suffisant pour rentrer au paradis et pour profiter de tous les bienfaits. A priori, de ce que l'on comprend de ce verset, et que ce verset a l'air d'être quand même clair, et moi je ressens quelque part une confirmation de ce que l'on retrouve ailleurs dans le Coran, mais ici, le fait de donner cet exemple précis est comme une règle. La règle, c'est que chacun est responsable de soi-même, et ça, on le retrouve plusieurs fois dans le Coran. Et la seconde règle, personne ne profitera de ces liens rapprochés par rapport à une personne vertueuse, par rapport à une personne divine ou appréciée et aimée par Allah, par rapport à une personne qui va mériter le paradis. Donc, personne ne va tirer profit parce qu'il aimait cette personne et parce qu'il y avait lien de parenté, lien de conjugal ou n'importe quel type de lien. Ou parce qu'on est né chiite, alors automatiquement on nous a éduqués à aimer et avoir un lien avec l'Ahlul Bayt. Non, ce n'est pas suffisant. Bien entendu, quand je dis que ce n'est pas suffisant, c'est ce que je retire comme enseignement à partir de ce verset. Et donc, il faudra absolument aller vers les bonnes actions et se nourrir de ces enseignements pour avoir une éthique et une morale religieuse et conforme à ces enseignements, aux enseignements coraniques et prophétiques. Troisième point, c'est le thème central de ce verset, c'est la trahison. On parle des deux femmes de prophète, la femme de Lot, la femme de Noé, mais qu'est-ce qu'elles ont fait pour qu'elles soient citées ici en parabole et qu'elles soient prises ici en exemple? C'est la trahison. Et remarquez bien, ce qui est mis en relief ici, ce n'est pas leur mécréance, ce n'est pas leur côté associateur, en fait. Ce n'est pas parce qu'elles ont associé Dieu à Dieu des personnes ou des idoles qui est mis en relief, qui est mis en avant. Ce qui est reproché particulièrement, c'est la trahison, et c'est cette trahison qui les a menés vers la perdition. Et donc, par rapport à cette trahison, il y a des questions qui se posent. Quel type de trahison ou de tromperie s'agissait-il? Et donc, première question qui vient à l'esprit, puisqu'on parle d'épouse, on parle de trahison et de tromperie, est-ce que c'était une tromperie conjugale? Donc, est-ce que ces femmes avaient trompé leur mari avec d'autres hommes? Et réponse claire, la femme d'aucun prophète ne s'est souillée par l'impudicité, par l'adultère. Et il y a un hadith rapporté du prophète qui le confirme. Ce hadith nous dit « La femme d'aucun prophète ne s'est jamais souillée par des actes contraires à la chasteté. » Et sachez que une des femmes du prophète, il s'agit de Aïcha, est concernée par ses soupçons. Dans la sourate 24, on parle de rumeurs qui s'étaient propagées dans la société musulmane à propos d'une tromperie de Aïcha vis-à-vis du prophète. Et donc là, les versets sont explicites, sont clairs. Il ne faut pas suivre ces rumeurs. Ce sont des mensonges. Et les rivayats le confirment.
il ne faut jamais associer ou il ne faut pas du tout associer ce type de tromperie, l'adultère, à la femme du prophète, Aïcha, même si elle peut être fautive autre part, comme dans cette sourate, où a priori, comme on l'a dit, les exégètes sont quand même d'accord sur son nom et qu'elle fasse partie, on va dire, de ce trouble dans le foyer prophétique. Donc, il faut faire attention de ne pas associer ce type de tromperie aux épouses du prophète. Deuxième question que tente de répondre Cheikh Makarem, c'est, puisqu'il ne s'agissait pas de tromperie conjugale, d'adultère, alors quel type de tromperie s'agissait-il ici ? Réponse, elle trahissait les prophètes, donc leur mari, en collaborant avec les ennemis. Et donc, c'est ce que nous a rapporté aussi l'intervenante. Et la collaboration se faisait en divulguant les secrets personnels. Et automatiquement, elles mettaient leur mari dans une situation délicate et de faiblesse par rapport à cela. Enfin, troisième question. Les deux femmes du prophète, donc ici Hafsa et Aïcha, ont-elles trahi le prophète ? Puisqu'on parle de divulgation de secrets, mais est-ce que leur acte est si gravissime ? Cheikh Makarem nous apporte un élément de réponse qui dit que la concordance entre cette histoire et celle de la divulgation des secrets, donc versets 1 à 5, implique qu'il y a le même type de comportement de la part des deux épouses du prophète, c'est-à-dire de la trahison. Et donc, les menaces sont sérieuses, sont très graves, et c'est à eux deux de prendre en compte les enseignements de cette sourate et surtout de bien prendre conscience qu'il n'y a aucune immunité pour ces deux épouses. Le fait qu'elles soient liées au prophète, le fait qu'elles soient épouses du prophète n'est pas du tout suffisant. Et ce concept, on l'avait déjà vu dans le verset 5, lorsqu'il y avait, menace vis-à-vis de toutes les femmes du prophète, où Dieu disait que si le prophète allait répudier ces femmes, alors il les remplacerait et qu'il n'y a aucune garantie déjà dans ce monde, mais surtout aucune garantie et immunité dans l'autre monde. Terminons avec Allama Tabatabai, et lui, il expose l'exégèse en deux points. Le contexte du verset et l'explication du verset, l'analyse sémantique, grammaticale et syntaxique. Donc, je vais alléger la présentation, surtout pour le deuxième point. Et donc, concernant le premier point, il répète ce qu'on vient de dire. Ce verset est une allusion gravissime en apparence à l'égard des deux épouses. Donc, les premiers destinataires de ce message, ce sont les deux épouses du prophète. Pourquoi ? Parce qu'elles l'ont trahi, elles ont divulgué le secret, elles ont comploté contre lui et lui ont causé du tort. Donc, le lien entre cet exemple, cette parabole et le contexte de la sourate semble être clair. Passons maintenant aux explications. Les explications sont souvent techniques. Ici, j'allège. Et le premier point, la première explication technique concerne la différence entre le terme « khiyana » et « nifaq », traduit par « tromperie » ou « trahison » et « hypocrisie ». Quelle est la différence exacte au niveau sémantique ? Le premier terme, c'est-à-dire khiyana, tromperie, concerne les promesses ou les dépôts confiés, alors que l'hypocrisie, le nifaq, concerne la religion. C'est vis-à-vis, en fait, de la foi. C'est vrai qu'on peut être hypocrite vis-à-vis de quelqu'un. C'est vrai, c'est comme ça qu'on emploie le terme hypocrisie en français. C'est-à-dire qu'on lui fait paraître quelque chose alors qu'on... Dans le cœur et au fond, on est différent de ce qu'on lui fait paraître à cette personne en face de nous. Mais ici, dans la sémantique arabe, l'hypocrisie est particulière à la religion. Mais au-delà de, on va dire, cette précision technique, dans l'usage, les termes sont des fois utilisés dans le même sens. Deuxième explication, c'est concernant lil-ladhina kafaru dharaba Allahu مثلاً للذين كفروا. Donc, analyse syntaxique. Allama nous dit qu'il y a deux possibilités de comprendre cette allocution. Soit il décrit l'état de ceux qui ont mécru. Donc, c'est pas que Dieu a donné
et a présenté une parabole à ceux qui ont mécru, à ceux qui ont mécru, pardon. Donc ici, le sens est complètement différent. C'est que Dieu décrit l'état des mécréants à travers cette parabole, à travers cet exemple. Vous voyez la subtilité, Allama est vraiment derrière les subtilités de sens. Alors que le deuxième sens, c'est le sens qu'on a vu dans les traductions, Allah cite en parabole les deux femmes pour ceux qui ont mécru. À savoir que le sens A ici pourrait être la signification retirée de la traduction de Berk. Je dis pourrait être, hein, parce que la formulation de Berk me laissait comprendre qu'il tendait vers cette signification-là. Donc, vous voyez, les subtilités dans la langue arabe peuvent amener automatiquement à des différences de formulation dans les traductions. Troisième analyse ici, c'est concernant le fragment du verset « وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ ». Donc là, encore une fois, en fonction du sens « دَخِلِينَ », cette portion du verset peut avoir deux sens. « Entrer dans le feu en compagnie de ceux qui y entreront parmi les gens de la communauté de ces deux prophètes ». D'accord ? Donc, en fait, c'est concernant le détail de ceux qui y entreront. Qui sont ceux-là ? Ben, ce sont les gens de la communauté de ces deux prophètes, alors que le sens que l'on retrouvait plutôt dans les traductions qu'on pouvait retirer, hein, parce qu'il n'y avait pas de formulation explicite non plus, c'est entrer dans le feu en compagnie de ceux qui entreront parmi les mécréants de façon générale. Vous voyez, encore une subtilité qui ne change pas la substance du sens du verset, mais Allah Matabatabai veut être dans la précision la plus profonde. Quatrième analyse, c'est la forme passive du terme d'Akhilin. Et ici, il dit que cela fait ressentir une humiliation et un déshonneur total envers les deux femmes c'est-à-dire la femme de Noé et la femme de Lot. Donc, voilà comment nous expose Allama Tabatabai l'exégèse de ce verset. Concernant demain, il n'y aura pas de session. On va célébrer l'anniversaire de naissance de l'imam Hassan alayhi salam. Et Inch'Allah, on continue avec le verset numéro 11, mardi soir, avec la 13e session. Donc, mardi 21, à vous de lire et de réfléchir sur le verset 11. Sachez que pour retirer le maximum de bénéfices de ces sessions, il faut avoir au départ accompli et fait cet effort de réflexion. Si une personne, en fait, ne va pas vers le verset, n'essaie pas de le comprendre, n'essaie pas de le lire avec profondeur, finalement, il n'assimilera pas les subtilités et donc on aura beaucoup moins de chances à apprécier ce que nous proposent les exégètes. Puisque lorsqu'on fait cet effort de concentration et de réflexion, ben on dénote les points qui nous sont confus. Voilà donc pour ce soir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.